Rebonjour, je m'appelle Annette, je vis au Tessin, en Suisse italienne. Ce matin, j'ai reçu un message téléphonique, donc WhatsApp, de Aïcha. Elle vit à Gênes, en Italie. Elle est nouvelle croyante depuis août 2021. Elle participe au groupe de notre église sur Zoom où on prie ensemble. Et elle m'écrit la chose suivante. Annette, je voudrais que tu pries pour moi car je me sens si mal. J'ai mal à la tête, tout mon corps fait mal. Je n'arrive pas à beaucoup parler. De plus, mon fils de 6 ans est également malade depuis 3 jours. Il vomit et a de la fièvre. En tant que mère, je devrais me lever et m'occuper de mes enfants. Or, je n'arrive à rien faire car je ne me sens pas bien depuis hier. Je n'arrive même pas à me tenir debout. Donc, j'ai prié pour elle, c'est-à-dire j'ai ordonné aux douleurs de partir. J'ai dit, mets-toi la main sur ta tête, le cou, les genoux, tout où ça faisait mal. Et les douleurs, après ces ordres de 2-3 fois, sont parties partout. On diminuait de 8 même 9 à la tête à finalement 0. Elle a pu se lever, elle a pu marcher, elle était très joyeuse. Quand j'ai appelé, elle était au lit, elle avait l'air malheureuse. Après, elle s'est levée, puis elle est allée vers son fils de 6 ans et j'ai ordonné aux douleurs de partir à une voix douce pour pas effrayer le petit garçon. Après quoi, il dit « j'ai plus mal ». Et maintenant, 5 heures plus tard, j'ai pris de ses nouvelles. Elle va à 100% bien et aussi son fils. Et je remercie à Jésus parce que c'est lui qui a remporté cette victoire à la croix. Amen.